Monsieur Zorro Bilal? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes en compagnie de Monsieur Kawi Sebelebe, animateur et fondateur de la radio Bakambi. Et vous avez de l'autre côté Monsieur Mawel qui représente l'UPADS, UPADS général, hein, mais qui est représentant de l'UPADS Amérique et Europe. Monsieur Sama Djankoumi qui est résistant sur la place de Paris. Monsieur Gaïno qui est lui consultant, politologue. Monsieur Aziz Dominique de Marseille qu'on ne présente plus, hein, qui est un grand journaliste et qui a une expérience bien plus grande que la nôtre. Et vous avez Monsieur Patrick Dian qui est le représentant du PCT France. Alors monsieur, en deux minutes ou en une minute, nous dire qui vous êtes. Merci beaucoup Monsieur Cassius et bonsoir à tous les invités qui sont là et tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Oui. Je suis Zorro Bilal Ingeta, activiste, résistant, combattant congolais, oui, de la RDC. Nous sommes ceux qui luttent pour que les Congos soient réellement libérés et par extension toute l'Afrique de toute l'oppression d'où qu'elle vienne. D'accord. Alors donc vous êtes sur la place de Paris et vous luttez contre toute forme d'oppression. Alors l'une des questions que nous allons aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les chanteurs, les musiciens qui sont des entrepreneurs, des gens qui font travailler des gens, qui créent de la valeur ajoutée, qui aussi représentent la culture africaine et qui n'ont pas le droit ou qui sont interdits de pouvoir exercer leur métier librement à l'étranger par les combattants dont vous faites partie ou bien au moins une partie des combattants que vous connaissez. On essaye de comprendre quel est le lien que font les combattants entre ces musiciens-là et la mauvaise gouvernance ou la bonne gouvernance selon le camp où on se trouve. Pourquoi on les interdit de venir exercer leur métier en Europe? Oh, merci beaucoup de la question, M. Cassius. En tout cas, lorsque vous dites que nous interdisons les musiciens congolais de s'exprimer, de faire le travail... Mais c'est partout, hein, c'est pratiquement tous les Africains commencent à faire ça. Hein. Moi, je m'inscris en faux lorsque vous dites ça, parce que ce n'est pas la réalité, en tout cas ce qui concerne les Congo RDC d'où je suis originaire. D'accord. Nous n'interdisons pas aux musiciens de faire leur métier en Occident. Par contre, nous boycottons ces quelques musiciens qui sont en copulation avec ces potentats qui tuent, qui affament, qui paupérisent les peuples. Bon, que ce soit en RDC, au Congo une fois, ou en Angola ou partout en Afrique, maintenant les mouvements ont pris et ça fonctionne partout. Mais les motivations, nos actions sont faites contre ceux qui sont en connivence avec ceux qui tuent les peuples. Nous le faisons pour la simple raison que nous ne pouvons pas comprendre que ces artistes, ces quelques artistes et musiciens qui doivent leur célébrité à ces peuples-là qui souffrent matin, midi et soir, et ces peuples-là qui est paupérisé, et ces artistes-là qui doivent cette célébrité-là à ces peuples-là, puissent célébrer ces gens qui sont responsables de la misère de ces mêmes peuples. Nous avons trouvé que c'était indécent, inacceptable, dans les cas du Congo par exemple, que des musiciens comme de Koffi Olomide, de Fally, de Wera ou de Jibem Piana chantent pour Kabila, pour les dignitaires de Kabila, alors que Kabila est accusé de multiples meurtres, de crimes imprescriptibles au Congo, pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère extrême, et c'est quelques leaders d'opinion puissent faire des mantras, je dirais, par rapport aux agresseurs du peuple. Pour la simple raison, lorsque vous écoutez la musique de ces musiciens-là, vous retrouverez les noms de ces dignitaires, de ces potentats qui tuent les peuples. Donc, comme ils sont leaders d'opinion et que les peuples est dans une situation d'incompréhension totale de ce qui lui arrive, nous avons décidé de toucher ces leaders d'opinion afin qu'ils disent au peuple la vérité, afin que le peuple puisse s'élever et qu'il puisse trouver la solution. Mais comme nous avons buté à un mur et nous sommes passés aux actions que le monde entier nous reconnaît aujourd'hui. Voilà un peu le topo. Merci beaucoup. Donc pour vous, ce sont des gens qui ne représentent pas la souffrance et l'opinion du peuple. Monsieur Aziz Dominique de Marseille, est-ce que vous comprenez ce discours? Et sincèrement, je ne le comprends pas. Dans ma petite compréhension d'un petit et d'un minuscule intellectuel, je n'ai pas du tout compris le sujet évoqué par notre collègue de la RDC. Monsieur Zorro Bélé. On gère un État par l'arrêt de droit, s'il m'entend parler. À moins que nous avons des dimensions intellectuelles différentes. Un État se gère par l'arrêt de droit. C'est-à-dire, si je me lève pour t'empêcher de travailler, c'est l'arrêt de droit me l'autorise. Si je me lève pour empêcher avec Bélébé de diffuser sa radio à Londres, c'est l'arrêt de droit me l'autorise. Si je me lève pour empêcher à Roga Roga, à Fally, à Koffi Olomide de jouer en France, c'est l'arrêt de droit me l'autorise. On ne jette pas un État par les impressions, les intentions. Autrement dit, demain, si c'est vous à votre place, il fera la même chose. Le jour où vous prendrez l'avion pour le parti en RDC, on dit non, les combattants, on ne veut pas vous voir ici. Vous êtes restés là-bas, nous sommes battus ici seuls sans vous.
cette exclusion relève de la volonté personnelle et non de la règle de droit. Ce qui différencie les hommes, c'est la règle de droit. Entre ton opinion et mon opinion, c'est que nous, ce n'est pas sa règle de droit. Lui, il pense que ses musiciens chantent les leaders. Aucune loi concernant la RDC ou même le Congo-Brazzaville n'empêche un musicien de chanter qu'il veut. Est-ce qu'il m'entend parler? Oui, aucune loi n'empêche un musicien du Congo-Brazzaville ou de la RDC de chanter qu'il veut. C'est un métier privé. C'est un métier privé. Il peut chanter qu'il veut. Il peut chanter un ami musicien. Il peut boire Kalibanga qu'il veut. Et c'est pas parce qu'il a chanté Sassou, il a chanté Kabila, que Sassou et Kabila ne peuvent plus bien gérer leurs états. Je peux chanter monsieur un tel, ça ne l'empêche pas qu'il paye la bourse des étudiants, qu'il paye les salaires des fonctionnaires, qu'il paye les retraites. Je peux ne pas le chanter, il est incapable de les payer. Est-ce que tu m'entends parler? Je peux ne pas le chanter, ça ne changera pas la situation de la gestion du pays. C'est parce qu'on gère mal le pays et que la faute revient aux musiciens. Monsieur Aziz Marseille, que les combattants. Monsieur, je me permets de vous interrompre. Vous savez quand même que les musiciens représentent une certaine, comme il dit, de l'opinion. Il y a quand même reconnu que des chanteurs comme Johnny Clegg, Myriam Makeba ont inspiré la chute de l'apartheid et qu'ils ont été des porte-drapeaux, des porte-paroles. Oui, mais c'est comme le sport. C'est donc comme on ne peut pas laisser un musicien faire tout ce qu'il veut parce qu'il nous... Qui fait partie du peuple aussi. Il n'y a pas que le musicien. Oui. Il faut qu'il prenne les écrivains de l'Afrique, il faut qu'il prenne les footballeurs de l'Afrique. Ce sont des métiers qui créent l'opinion. Vous jouez au football, ça peut changer l'opinion. Vous écrivez, ça peut changer l'opinion. Vous dansez, ça peut changer l'opinion. Donc cette fixation ne doit pas être faite pour les deux Congos que sur les musiciens. Désormais, il faut qu'ils empêchent aux équipes nationales de jouer à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique. Parce que ces équipes-là portent le nom du pays. On chante l'hymne du pays sous l'autorité du président de la République qui est en fonction. Si aujourd'hui le Congo, Brazzaville, s'en va jouer, l'hymne qu'on chante là, le président au Congo, c'est Sassou. Si les léopards vont jouer, l'hymne qu'on chante là, le président qui est au Congo, c'est Kabila ou bien c'est Tshisekedi. Vous voulez dire que s'il gagne la coupe, c'est lui, c'est le président qui va prendre la coupe. C'est le président qui est là-bas aussi qui reçoit. Donc il ne faut pas que les Congolais soient heureux en ce moment-là. Donc il ne faut pas que les Congolais soient heureux. Il ne faut pas qu'ils soient heureux pour la coupe, il faut qu'ils soient heureux pour la musique, il faut qu'ils soient heureux pour la culture. Peut-être pour un boycott. Dans ce cas, vous voulez qu'il y ait un boycott général à la fois sur les entreprises occidentales qui signent les contrats, tout ça. Parce que vous avez expliqué qu'on le fait parce que le musicien influe l'opinion. J'ai dit que ce n'est pas l'unique métier qui influe l'opinion de la société. C'est ça l'intellectuel. Le sport a une influence au-dessus de la musique. Je dis bien le sport. Il n'y a pas un festival au monde qui dépasse la Coupe du Monde. Le sport a une influence au-dessus de la musique. Les écrivains portent leur plume plus haut, plus loin que la musique. Un écrivain congolais, on peut le lire jusqu'aux États-Unis, jusqu'au plus profond monde. Ce n'est pas forcément qu'un musicien zaïrois ou congolais écouté. Donc voyez-vous, pour dire, si vous prenez ça comme les musiciens influencent l'opinion, je suis désolé en intellectuel, ce n'est pas l'unique métier qui influence l'opinion. D'accord. On va laisser les autres intervenir aussi, monsieur. Je prends les livres. Donc, en conclusion, oui. il n'appartient pas à un Congolais, soit-il de la diaspora ou du Congo-Brazzaville, d'empêcher un citoyen qui a une entreprise privée, chante-t-il un leader politique, chante-t-il un leader économique, chante-t-il un maillon quelque part, de se produire n'importe quel pays. Parce que la culture congolaise ou africaine, pour qu'elle soit grande, il faut qu'elle parte à l'extérieur. Pour que notre football soit grand, il faut qu'il parte à l'extérieur. On peut être grand musicien, nous jouons qu'au Congo. Il faut aller embrasser le public international. Et qu'on sache que oui, la culture de votre pays est au haut niveau. Et quand on dit de brassage de populaire, brassage de culture, dans la mondialisation, l'Afrique doit jouer sa partition culturelle. D'accord. Elle va le jouer comment si elle ne joue que dans les petits quartiers de Kinshasa et de Brazzaville. D'accord, je vous jure, vous avez bien compris. Et moi, attends, excuse-moi. Oui. Je veux que ceux qui entendent comprennent que mon raisonnement, il est scientifique. Voilà pourquoi on dit quand on gère un État, on le gère avec la science et non avec les impulsions. On a vu ça pour le coup. D'accord, monsieur, on va laisser les autres intervenir. Je vais laisser. Monsieur Mawel. Voilà. Monsieur Mawel, est-ce que la lutte, la résistance, la libération de la France, ce ne sont pas aussi plusieurs formes d'expression qui se sont déroulées sur le champ de la culture? Et donc les chanteurs aussi avaient leur camp à choisir. Oui, certainement, mais vous savez, puisque vous voulez qu'on parle de la France, la culture a été à un certain moment la honte de la France parce que elle s'est inféodée à l'Allemagne. On a vu un certain nombre de grands noms de la culture française se trouver du côté de la collaboration. Oui. Hein? Il y en a eu aussi, bien sûr, dans la résistance. Mais il y a beaucoup de grands noms qui se sont retrouvés du côté de la
collaboration. D'accord. Alors, comment vous comprenez ce discours dire... Est-ce que vous comprenez ce discours du combattant qui explique pourquoi il faut interdire les concerts à l'étranger? Pas interdire, vous savez, mais certains chanteurs, pas tous, hein, ils précisent bien. Oui, j'ai bien compris ce qu'il a dit, oui. Monsieur Bilal. C'est Bilal, c'est Zoro, ça, hein? Zoro Bilal. Oui. Zoro Bilal. Oui. Monsieur Zoro Bilal, moi je le comprends parfaitement, parce que je suis dans ce pays où lui aussi il réside. Nous résidons dans le même pays, nous avons un certain nombre de choses que nous ressentons de la même manière. Et nous venons d'avoir le procès de M. Kofi Olomide, où nous avons appris que ce monsieur gagnait 45 000 euros par mois, pendant que ses musiciennes et danseuses n'avaient que 150 euros par mois. C'est-à-dire que ce n'est Kofi Olomide, qui est français, qui a la nationalité française, ne respecte même pas du tout le salaire minimum de son propre pays, qui est la France. Cette chose-là énerve. Oui, c'est 300 fois son salaire. Et je comprends que cela puisse déjà énerver qui fait cette forme de maltraitance quand il se trouve en territoire français. Ce même va chanter pour les campagnes électorales de M. Kabila. Récemment, il a encore chanté pour la campagne de M. Tshisekedi. Oui, mais c'est là où M. Aziz Gnou, monsieur vous demande, est-ce que c'est interdit par la loi? Est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce qui est interdit qu'il fasse ce métier-là? Que constatons-nous? Ou de chanter pour ces gens-là? Nous constatons qu'ils font la campagne de personnes qui martyrisent leur peuple. Voilà le débat. Il s'agit de cela. Je pense que c'est ce que M. Bilal nous a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. M. Zoro Bilal nous a dit. Absolument. Nous a dit cela. Et je lui en sais gré, parce que ce qu'il dit est simplement le constat de ce qui se passe. Oui. Ces gens-là qui martyrisent leurs travailleurs quand ils sont ici en France s'en vont chanter pour ceux qui martyrisent leur peuple quand ils repartent dans nos pays d'origine. Hein. Et bien entendu, je réponds maintenant à votre question. Oui, je comprends parfaitement M. Zoro Bilal et les combattants. Leur attitude est parfaitement motivée. D'ailleurs, rappelez-vous, en 2015, M. Sassou a fait venir le chanteur Kofi et le chanteur Nyoka pour chanter pour lui à un moment où le peuple congolais était agité, où le peuple congolais était en révolte. Eh bien, les concerts n'ont pas eu lieu. D'accord. On va passer la parole à M. Ndian, s'il vous plaît, M. Mawen. Je reviendrai vers vous après. On va revenir, le débat est encore là. On va revenir vers vous, parce que nous vous entendons, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont là. M. Ndian, la question, elle est là. Est-ce que ce que dit M. Zoro Bilal, ce n'est pas fondé? Ou est-ce qu'il a raison de dire que leur combat est situé à ce niveau-là et que pour eux, les chanteurs qui chantent pour ce qu'ils considèrent comme ceux qui n'incarnent pas le développement de l'Afrique sont des adversaires à combattre sous toutes les formes qu'ils ont? C'est pour ça que pour eux, c'est une expression d'empêcher les concerts de ces chanteurs-là. Que ça soit légal ou pas légal, selon la loi, même du pays où ils sont, ils arrivent à empêcher les concerts. Mais écoutez, moi, je comprends l'attitude, le comportement de M. Zoro Bilal Ingeta. Je comprends l'attitude des combattants, mais je pense qu'ils n'ont pas raison. Il y a d'autres formes, d'autres manières. Parce que moi, par définition, j'aime pas la violence. La manière dont ils empêchent Kofi Olomide, Papa Wemba, toutes ces vedettes-là, c'est une manière violente. J'habite Paris, je sais comment ça se passe ici, tout et tout. C'est une manière violente. Moi, je pense qu'il y a d'autres formes qu'ils pouvaient utiliser pour pouvoir manifester leur mécontentement à ces différentes stars-là de pouvoir jouer sur la place de Paris. Pouvez-vous illustrer cette violence-là, s'il vous plaît? Mais écoutez, quand vous allez
barrer la route, quand vous rentrez dans les salles de spectacle, quand vous empêchez les autres de pouvoir, ça crée de la bagarre, ça crée de la discussion, ça crée de la violence. Donc avec moi, autant que vous n'approuvez pas que ces différentes vedettes, ces différentes stars puissent chanter pour M. Kabila hier, puissent chanter pour M. Tshisekedi aujourd'hui, autant vous dénoncer des faits qui sont vrais, hein, qu'il y a des violences dans l'Est de la RDC, avec les viols de femmes, avec les meurtres, avec les assassinats, etc., etc. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne manière. Parce que, bon, remarquez qu'aujourd'hui, Kabila n'est plus au pouvoir. Hein. C'est maintenant le président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Est-ce que cela a empêché les exactions, que je désapprouve bien sûr, qui se passent à l'Est? Non, c'est pour dire que la méthode que vous avez utilisée n'est pas bonne. Ça fait aujourd'hui plus de 15 ans à peu près, c'est à peu près 2004 hein, que le phénomène a commencé, 2004-2021, nous sommes à peu près à plus de 15 ans que cette méthode que vous utilisez n'a pas abouti. Parce qu'on met fusil d'épaule. À ce moment-là, vous pourriez... Voilà, ça, c'est un maintenant de deux. Vous pouviez quand même essayer d'être un peu succinct pour que les autres puissent parler, monsieur Dion. Ok, je dis ceci. C'est comme ici, non ? Il y a beaucoup de gens dans la population française qui ne sont pas d'accord avec les thèses de Jean-Marie Le Pen hier, de Marine Le Pen aujourd'hui, du Front National hier, du Rassemblement National aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait de la violence, qu'on va interdire les réunions du Front National. On est en train d'interdire, les gens manifestent contre, de manière violente contre Éric Zemmour, monsieur. Vous êtes en France, Éric Zemmour est combattu, et sérieusement combattu par les gens. Mais la loi les a tous mis KO aussi. La loi n'a pas approuvé ça. Non, mais ils manifestent contre ces rassemblements. C'est pour vous dire que, oui, ça c'est une minorité, mais la majorité des Français ne sont pas d'accord avec ça. C'est pas comme ça, un combat d'idées. La politique, c'est un combat d'idées. Discutons sur le plan des idées. D'accord. Moi, je pense que les zinguettistes, les combattants, ont d'autres formes de manifestation pour désapprouver le comportement de ces musiciens-là qui, hier, étaient avec Kabila, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui approuvent la politique de ceux qu'ils appellent comme étant de ceux qui ont envahi le pays, qui paupérisent les Congolais de la RDC, etc., etc. Autant les mots qu'ils mettent en exergue sont vrais, mais autant la méthode utilisée, moi personnellement, je ne suis pas pour cette méthode-là. D'accord. Monsieur Gaïno, je viendrai vers vous après, monsieur Samba Diankoumbi. Monsieur Samba Diankoumbi d'abord, et puis monsieur Gaïno après, et puis on remontera sur monsieur Aziz de Marseille. Monsieur Samba Diankoumbi, l'expression de la résistance, est-ce qu'elle a une forme obligée? Vous savez, moi je vous ai écouté, hein. J'ai écouté notre panéliste de la RDC, j'ai écouté monsieur Aziz de Marseille, j'ai écouté monsieur Patrick Nzian. Oui. Je voulais juste vous faire comprendre ceci, que le plus souvent, ce n'est pas l'opprimé qui décide de réagir, mais la réaction de l'opprimé dépend de ce que le gouvernant impose comme façon de gouverner. Monsieur Aziz de Marseille nous parle de la règle de droit. La règle de droit qu'on appelle la constitution dans nos pays. Je me permets de reposer la question. Est-ce qu'au Congo ou dans les deux Congo, la constitution a été, ou les constitutions ont-elles été respectées? Il a besoin de ma réponse? Pas encore. Vous répondrez après, monsieur. Si vous avez besoin de répondre. Non, vous répondrez. Je vous dirai que dans nos deux pays, souvent mieux en RDC, dans notre cas, il y a forfaiture depuis près de 40 ans. Et quand on veut appliquer la règle de droit devant les gouvernants, ils vous disent les chiens aboient, la caravane passe. Ou circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui revient à dire que les choix des Occidentaux sur les citoyens locaux qu'ils mettent là et qu'ils imposent au peuple, eux, nos gouvernants disent que nous sommes là, nous avons le pouvoir. Si vous voulez marcher avec nous, si vous ne voulez pas, allez faire votre chemin ailleurs. Voilà l'un des problèmes qui fait de telle sorte que les gouvernants ne veulent pas travailler
On ne s'engage pas en politique pour servir le peuple, mais on s'engage en politique pour que le peuple puisse vous servir à vous. Il devient des potentats. Le niveau de conscience ou le niveau de l'éveil de conscience des populations sur le territoire local, les gens n'arrivent pas à s'exprimer. Oui, donc c'est pour ça, monsieur Samanakoumi, si vous pouvez être très court, c'est pour ça que la résistance se transforme en une interdiction des concerts de gens qui soutiennent ce violence. C'est ça? Non. Et je vous dis, qui détermine la voie? Je vous dis au jour d'aujourd'hui, la résistance fait de telle sorte que l'éveil de conscience du citoyen sur le territoire national et à l'extérieur n'est pas le même. Et il y a une nonchalance dans les gouvernants. Ils veulent utiliser les leaders d'opinion sur le point de vue musical pour damer le pion au peuple. Et qu'est-ce que le peuple fait? Ou on se soumet, ou on se donne de la voix. Et si on veut se donner de la voix, tous les moyens sont bons. Allez voir le cas de l'Afrique du Sud. Ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, que l'apartheid soit contrainte de chercher à négocier avec la vision de l'ANC. C'est un long processus et c'est pas une question de temps. Moi, j'apprécie. Tant que nos gouvernants ne vont pas se rendre compte qu'on ne vient pas en politique pour être servi, mais on vient en politique pour servir le peuple, d'accord, la majorité. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Si on peut passer la parole à M. Gaïno, et puis après, on reviendra à M. Zoro Bilel et M. Asie Dominique. M. Gaïno, le discours de Zoro Bilel, vous le comprenez? Oui, M. Caïs, j'espère que j'aurai autant du temps que des autres parce que j'ai comptabiliser un peu le temps, comment les autres passent, enfin le temps que les autres utilisent, il est vraiment considérable. Mais vous me posez la question si je suis d'accord avec M. Zoro. Non, je dis si vous le comprenez, si vous comprenez. Je le comprends parfaitement, d'ailleurs, je vais vous dire même que je suis d'accord. Parce que qu'est-ce que c'est que la culture? Lorsqu'on fait l'apologie des criminels, des gens qui sont là, en train de commettre des crimes dans leur pays, que vous avez les leaders d'opinion qui viennent faire l'apologie de ces criminels-là, cela est condamnable. Vous savez que la Zambie avait fermé les portes à Kofi Olomide. Donc, il n'y a pas que la France. L'Afrique australe a déjà fermé les portes aux musiciens qui commettent des crimes ou qui ont un comportement non acceptable. Donc, lorsque ceci se manifeste en France, on va dire, voilà, c'est mauvais, voilà, la loi, mais la loi, mais vous savez, Le Pen a été condamné pour avoir nié l'existence des chambres à gaz. Vous savez que l'écrivain, le comédien franco-camerounais, j'oublie même son nom. Dieudonné a été condamné pour ce genre de choses. Donc, moi, la loi, elle est mise en place par les gouvernements. Mais lorsque cela va en leur faveur, ils ne peuvent pas mettre en place une loi. Parce que ces hommes politiques-là qui appellent ces musiciens à leur faire campagne, on ne peut pas accepter ces musiciens-là. Moi, depuis très longtemps, à l'époque, même je luttais déjà, j'ai critiqué cette façon de faire de la musique. Pourquoi en Europe, vous ne verrez jamais vous dans le reste du monde, vous n'entendrez pas les musiciens qui viennent chanter le nom des présidents? D'abord, ils ne chantent pas gratuitement, ils sont payés pour ça. Vous imaginez? Ils font de l'argent, c'est un fonds de commerce. Alors, faut-il laisser ces gens-là venir ici, faire ce même fonds de commerce, chanter le nom de ces criminels, faire l'apologie de ces crimes? Je dis non. Non, et je ne peux être que d'accord avec ce qui manifeste contre ce comportement-là, parce que quand on est porté d'opinion, lorsqu'on chante, c'est d'abord la culture. La musique, c'est d'abord la culture. Et la culture ne se fait pas au nom d'un individu, alors que cela, il est criminel. Donc moi, je suis un peu surpris d'entendre certains des interlocuteurs parler de comme il manque la loi, il fait ceci, il fait cela. Mais voyez d'abord ce comportement qui a été condamné ici. On a vu des gens qui ont été condamnés pour un geste. Et je pense, M. Kayou, vous vous souvenez du gars qui avait fait un geste, comment on appelle ça, le geste du coude là. Il avait été condamné par le juge. Parce qu'on peut faire l'apologie des crimes. Et puis encore, l'apologie des criminels. La campagne de la propagande des criminels. C'est-à-dire, on les met au centre, alors que c'est des gens qui doivent être, comment j'allais dire, jeté dans les oubliettes. Mais pourquoi la Zambie a forcé à fermer la porte à M. Kofi Olomide? Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup de musiciens, surtout de la RDC, et c'est surtout ces musiciens, vous voyez par exemple les musiciens de
de l'Afrique de l'Ouest. Ne chante pas souvent les noms des présidents. Parce que, monsieur Gaïno, juste une parenthèse, vous considérez que les leaders, les présidents africains sont des criminels? Mais écoute, au moins les présidents dont on a cité, ou les présidents, où vous avez des gens qui se mobilisent à Paris, sont des présidents reconnus comme des criminels. Alors quand on vous dit que vous condamnez alors que la loi elle est là, vous trouvez que ce n'est pas juste de vous le dire? Il ne faut pas qu'il y ait d'abord un tribunal qui les condamne plutôt que de le faire soi-même? Le criminel, mais quel tribunal? Donc, tout simplement, oui. Je voudrais dire à M. Zorro, il aime qu'ils sont dans leur droit de manifester parce qu'on ne doit pas laisser ces gens qui font l'apologie des criminels, ces gens qui vont faire de l'argent en chantant le nom de ces présidents-là, venir le faire dans un état de... D'accord, monsieur Azi, et puis après monsieur Zorobinel. Monsieur Azi, quand vous écoutez les points de vue des trois précédents interlocuteurs, je ne dis pas que vous êtes convaincu, mais vous comprenez quand même que les points de vue divergent. Qu'est-ce qu'on appelle le droit? Le droit de taper? Non, je parle. Non, il a dit vous avez le droit de manifester, vous avez le droit de vous opposer. Il y a des gens qui ont été sanctionnés ici. La sanction relève du droit. Quand on sanctionne comme Le Pen et autres, on a sorti l'arrêt de droit que Le Pen a violé. Quand on sanctionne Kofi Olomide en Zambie, on sort l'arrêt de droit qu'il a sanctionné. C'est-à-dire qu'il a posé un acte répréhensible par la loi. Par conséquent, il est sanctionné. Je raisonne comme ça. Le pauvre Asile, je raisonne comme ça. Et quand je n'arrive pas à justifier un acte par l'arrêt de droit, il devient un acte d'opinion personnelle. Or, l'opinion personnelle ne recouvre pas tout le monde. Ce qui sépare ton opinion, mon opinion, c'est la règle de droit. Si on m'écrit que tout combattant a le droit de taper ou d'empêcher un musicien congolais de la RDC de combattre de jouer ici, un musicien qui a chanté un chant de temps en Afrique doit écouter. Oui, le droit de manifestation existe. Voilà. Il existe. J'en arrive. Tant que vous êtes. Non, j'en arrive. Le droit de manifestation existe. Il est. Gaïno, si vous pouvez laisser monsieur Azid avancer, s'il vous plaît. Ils ont le droit. Voilà. Non, mais attendez, il ne faut pas qu'ils. Non, mais vous ne vouliez pas qu'on vous interrompe et vous interrompez les autres. J'ai dit, il a un appel au problème. d'empêcher, c'est pas manifester. Empêcher, c'est manifester jusqu'à aller empêcher. Empêcher, c'est quoi? Je prends le cas dernier qui s'est passé. On casse les voitures, les gens sont blessés, on tire sur la police, on brûle les voitures. En ce moment-là, il y a trouble à l'ordre public et atteinte au bien d'autrui. La manifestation qui est cadrée par la loi est une manifestation pacifique. Aucune loi ne dit quand vous manifestez, cassez, si vous voulez être sûr avec la loi. Quand vous parlez d'intellectuel, il ne se disperse pas. Il reste méticuleux sur le sujet. Monsieur pose un problème. Est-ce qu'ils ont le droit? Vous voulez que je raisonne comme la maison? Mais c'est 10 000 personnes qui m'écoutent, monsieur. Vous ne pouvez pas m'appeler à un débat, d'aller vaciller, d'aller me perdre dans une cacophonie, prendre un labyrinthe tortueux comme une fable. Le sujet précis, tu es étudiant en droit. Est-ce qu'ils ont le droit? Alors tu veux que je raisonne comme dans ma maison? Il y a des criminels au Congo, il y a des criminels en RDC, il y a des criminels au Cameroun, on chante leur nom, il faut empêcher qu'ils jouent ici. Mais c'est confirmé par quel texte? En ce moment-là, nous donnons notre opinion. Or, ton opinion n'est pas mon opinion. Comme il n'est pas mon opinion, tu m'empêches de jouer. Tu m'entends? Je suis musicien. Mon opinion n'est pas ton opinion. Tu m'empêches de jouer parce que tu n'es pas d'accord. Or, moi, je suis d'accord, tu n'es pas d'accord. Ben alors, entre toi et moi, qu'est-ce que nous partage? Où c'est ma volonté de jouer? Monsieur Elbelebe, vous qui êtes journaliste, entre toi et moi là, qu'est-ce qui nous divise? Moi, je suis musicien, je viens jouer parce qu'il vient de m'empêcher de jouer. Toi, tu es combattant, tu m'empêches de jouer. Je veux jouer, tu m'empêches de jouer. Qu'est-ce que nous départage? C'est ton opinion ou bien la mienne? Puis vous voulez qu'on parle sérieux là? Allons-y. Moi, j'ai une opinion qui dit je viens jouer en France. Alors? Donc vous voulez que nous raisonnons à la maison? Manifester, c'est un droit, alors, monsieur. Et non, je n'ai pas dit que ce n'est pas un droit. Vous savez, la violence cassée, oui, brûlée. Écoutez bien. Si tu es d'accord, arrête de parler de manifester. On ne parle pas de manifester. Non, écoute aussi les autres. Monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno, si vous pouviez laisser pour que Monsieur Azi puisse terminer et que moi je reparte vers Monsieur Zorobinel qui nous écoute gentiment. On dit ceci, quand la manifestation conduit à porter atteinte au bien d'autrui, à empêcher à celui qui en fait d'accomplir son boulot, le prétexte que tu utilises doit être canalisé par la règle de droit. Est-ce que j'ai dit qu'on ne manifeste jamais? Aucune loi ne dit qu'on vous manifestez, cassez, déchirez, brûlez. Alors,
Ça, c'est la violence. D'accord. Écoutez, je vais essayer de poser la question à M. Zorro Bilel, qui nous écoute. Il y a eu les gilets jaunes. Monsieur, qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Les ambassadeurs, c'est pas condamnable. Quand il y a eu la manifestation des gilets jaunes, il y a eu des casses, il y a eu des débordements. Mais on condamne ça, non? Est-ce qu'on ne condamne pas? Ils ont été condamnés. Mais bien sûr. Pardon, s'il vous plaît. Mais c'est ce qu'on te dit. Mais laissez-moi finir. On a condamné. Non, je te dis, tu n'as pas la parole. Monsieur Zorro Bilel. Oui, je vous suis. Merci beaucoup d'être très calme et d'être très patient. Quand on écoute ce que vous dites et que vous écoutez les autres, vous arrivez aussi à comprendre que les autres disent que M. Azi dit, par exemple, il y a le droit et puis il y a son opinion. Est-ce que vous considérez que la résistance vous permet tous les droits, mais qui ne sont pas des droits reconnus officiellement? Merci, M. Cassius, de la question. En tout cas, moi, je vais demander juste à nos interlocuteurs, en tout cas avec lesquels nous débattons, de garder notre sérénité et de laisser chacun exprimer son idée. Mm-hmm. Vous aurez remarqué que moi, je n'ai pas réagi pendant que tout le monde parlait. Laissez-moi parler maintenant. Merci beaucoup. Monsieur Aziz de Marseille vient de parler des règles et des droits qu'il faut respecter. J'ai bien précisé que je suis du Congo RDC, Congo-Kinshasa. Et dans la constitution congolaise, il y a l'article 64 qui dit à haute voix, tout Congolais a le devoir de mettre en échec un individu ou groupe d'individus qui dirige les pays par la force ou qui exerce le pouvoir en violation de la présente constitution. Et c'est un devoir qui est attribué à tout Congolais de le faire. Article 64, alinéa 1er. Lorsqu'on parle d'empêcher que nous sommes dans la violence, j'ai bien précisé, nous n'interdisons personne, mais nous boycottons. Lorsque nous boycottons, c'est un exercice des droits. Et en France, ici, nous sommes dans un régime de déclaration, de manifestation. Nos manifestations sont déclarées. Maintenant, lorsque la foule est amassée, dès la provocation de part et d'autre, vous pouvez comprendre que cette foule-là qui est victime d'un génocide depuis 1996 à aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de morts, dont parmi ceux qui sont en train de se manifester, il y a des frères, des sœurs, des enfants, des parents qui ont péri à ces atrocités qui sont imprescriptibles. Oui. Je ne peux pas comprendre que des responsables politiques qui ont l'ambition de diriger ces pays-là, qui ont l'ambition d'inventer les futurs d'un peuple, puissent dire à haute voix que c'est les droits de chacun et nous devons respecter les droits parce que nous sommes dans les règles des droits. Je suis d'accord que nous sommes dans les règles des droits, mais les règles des droits ne donnent pas l'autorisation ou le pouvoir au régime des Congolais d'incarcérer, par exemple, Jean-Marie Moukoko pour des raisons qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas élucidées. Ces droits-là, les règles des droits, ne donnent pas le pouvoir à ces régimes-là de rester pendant plus de 40 ans, 50 ans au pouvoir, alors que les temps changent, les mœurs changent, les individus aussi évolue. Tout ça, ce sont des choses que nous devons mettre sur la table. Maintenant, mon vieux de Marseille est en train de parler en termes d'intellectuel. Moi, j'ai l'habitude de le dire, mieux vaut faire des citations, réveiller ceux qui ont vécu pour éclairer les chemins du futur que nous sommes en train d'emprunter. Chez nous, les Bakongo, on dit à haute voix, ceux qui sont en train de mourir, nous leur fermons les yeux pour nous permettre, à nous qui sommes vivants, de voir le futur. France Fanon disait à haute voix que la violence n'entend qu'un langage plus violent qu'elle. C'est France Fanon. Et lorsque je vais interroger, comment il s'appelle, Victor Hugo, dans son livre qu'il a écrit, les rayons et les ombres, la fontaine du poète, il dit à haute voix, le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète dans sa main, où tout peut tenir, doit, qu'on l'insulte ou qu'on les loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Il voit quand les peuples végètent, ses rêves, toujours pleins d'amour, sont faits des ombres, qui lui jettent les choses qui seront un jour. On les raille, qu'importe, il pense. Plus qu'une âme inscrite en silence, c'est que la foule n'entend pas. Il plaint ses contemplateurs frivoles et, main faux sage à ses paroles, rit tout haut et songe tout bas. Peuple, écoutez les poètes. C'est lui qui, malgré les épines, l'envie et la dérision, marche courbé dans vos ruines, ramassant la tradition de la tradition féconde, sont tous ceux qui couvrent le monde. Tout ce que le ciel peut bénir, toute idée humaine ou divine qui prend le passé pour racine, a pour feuillage l'avenir. Ça veut dire quoi? Lorsque c'est très bien, Monsieur Bilel. Merci beaucoup. Lorsque des individus sont en train de tuer les peuples, de paupériser les peuples,
Le peuple en soi est une masse qui agit en termes collectifs. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui puissent parler, qui puissent aspirer la sortie du tunnel, qui puissent montrer les chemins. Et ces gens-là, ce sont des poètes, ce sont des artistes. En l'occurrence, chez nous, les Congolais, disons en Afrique centrale, les plus célèbres de tous les poètes, de tous les artistes, ce sont les musiciens. Nous ne pouvons pas comprendre que ces musiciens-là qui doivent leur célébrité à ces peuples appauvris, meurtris, puissent chanter pour ceux qui tissent des droits en tant que citoyens. Lorsque j'ai ma famille en train d'être tuée, je suis dans l'obligation de faire de manière à ce que cela s'arrête. Qu'il y ait un droit ici qui m'empêche de dire à haute voix ce que je pense ou non, j'assume ce que j'ai fait. Je répète à haute voix, nous boycottons ces quelques musiciens qui sont en connivence avec ces tueurs des peuples. Kofi Olomide a chanté Kabila. Il a chanté Tshisekedi, il a chanté Denis Sassou Nguesso, il a chanté Ali Bongo, il a chanté comment il s'appelle, il a chanté Obiang Nguema. Il est dans tout, sur tous les ratelés, il mange avec tous ceux qui tuent le peuple. Et vous considérez tous ces présidents comme des criminels? Parce que Tshisekedi vient à peine d'arriver au pouvoir. Tshisekedi était pas au pouvoir avant. Est-ce que vous le considérez comme un criminel aussi? Je ne les considère pas, ce sont des criminels. Tshisekedi est le chef, en tout cas, c'est l'actuel président de la République démocratique du Congo. Oui. Lorsque les FRDC, les forces armées rwandaises déployées au Congo, qu'on appelle l'armée congolaise, sont en train de faire des exactions sur les territoires congolais contre les Congolais, je pense que le premier responsable, c'est celui qui dirige le pays. Lorsque les peuples dont il est censé protéger est en train de mourir matin, midi et soir comme des mousses, je pense que ce n'est pas à ces responsables militaires-là qui exécutent les ordres qu'il faut indiquer, il faut plutôt charger. C'est lui qui est en train de faire cet état-là. Hitler est condamné aujourd'hui. Hitler n'a jamais été dans un front pour faire la guerre. Ce sont ses généraux qui ont fait la guerre à sa place. Pourtant, Hitler est condamné. Ah. Donc moi, je suis dans mon devoir en tant que citoyen congolais, africain de surcroît, de faire de manière à ce que ceux qui sont en train de diffuser les messages qui veulent que les tueurs de peuples soient célébrés, c'est mon devoir de les empêcher de faire ce travail-là, parce que ces peuples-là ne peuvent s'élever que lorsque ces leaders d'opinion, son élite, sa classe politique, se relève et dit à haute voix ce qui se passe et montre les chemins. Maintenant, quelqu'un a indexé la culture parce que nous sommes en train d'interdire. C'est quelques musiciens, quelqu'un a parlé de la culture. On parle en termes d'intellectuel, c'est pas moi qui ai utilisé ce terme-là. J'ai entendu ça ici, on parle de la culture. C'est quoi la culture? Lorsque vous identifiez la culture congolaise à Kofi Olomide ou à Werason ou à Fally Ipupa, c'est une insulte que vous êtes en train de faire sur tout l'héritage que le Congo a depuis que nous connaissons l'existence de ce territoire-là. C'est une insulte que vous êtes en train de faire sur tout ce que nos ancêtres ont entrepris, tout ce que les autres, ceux qui vendent vraiment la culture congolaise, sont en train de faire aujourd'hui. Lorsque Kofi Olomide est en train de chanter « Mama Pesa si ma papa Abeta Tonga », c'est la culture de quel pays ça? Lorsqu'il est en train de dire « Moi na yaka, yaka na tcha mouke na ta la kaka », c'est de quelle culture il parle? C'est des choses, en termes d'intellectuels, nous devons mettre ça au devant afin que les peuples puissent comprendre. Moi, on peut m'accuser aujourd'hui, je parle à mon nom personnel, d'avoir violé la loi, d'avoir fait des choses contre les droits. Si ces choses-là, c'est pour assurer le bien-être collectif des miens, de mon peuple, j'assume complètement et j'ai référé autant de fois que la nécessité voudra que je refasse cette opération-là. Lorsque vous parlez... Application de l'article 64. Je suis couvert par l'article 64. Lorsque vous dites que nous sommes en train de taper les gens, nous faisons, j'ai posé la question, quel est cet artiste musicien qui a été agressé par les combattants? Personne ne peut citer un nom aujourd'hui. Nous venons boycotter, nous déclarons la manifestation. Maintenant, c'est à la préfecture de la France, c'est aux responsables de la France, en tout cas de la sécurité, de s'assurer à ce que ces événements-là se fassent correctement. S'il y a des bombes, ce n'est pas de la France, c'est parce que ceux qui sont payés avec nos impôts pour s'assurer à ce que ces manifestations se fassent correctement n'ont pas fait conséquemment leur travail. De mon côté, j'ai réitéré et je l'ai dit à haute voix. Les artistes qui vont chanter pour ceux qui tuent le peuple, ceux qui paupérisent le peuple, ceux qui font que... Je parle d'un génocide au Congo, je ne parle pas d'une agression parce que quelqu'un était giflé dans un train. Je parle d'un génocide où les assassins, lorsqu'en 2003, International Rescue parle de 48 viols par heure sur hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, lorsqu'en 2006, International Rescue parle de 6 millions de morts au Congo, lorsqu'en 2010, l'ONU sort les mêmes qui parlent
de ce qu'on peut appeler un génocide. Laissez-moi poser la question à Kofi Olomide, comment est-ce qu'il peut faire le négationnisme alors qu'il y a une pléthore de rapports internationaux dont les combattants n'ont pas intervenu, dont les Congolais n'ont pas intervenu, qui sont en train d'indexer toutes ces atrocités, tous ces meurtres, et au final pour dire que ça peut être qualifié de génocide. Et Kofi Olomide qui est écouté dans si vous pouviez résumer pour la question qui va nier ces génocides-là, quand est-ce que la communauté internationale va se résoudre à accepter qu'il y ait un génocide au Congo lorsque les Congolais eux-mêmes sont incapables de dire qu'il y a un génocide au Congo? Voilà pourquoi nous sommes dans le devoir de mettre hors d'état de nuire en échec cet individu qui est en train d'abuser du pouvoir. Je ne suis toujours pas d'accord. D'accord. Alors, juste une petite question, si vous pouvez répondre rapidement par un oui ou par non. Vous boycottez aussi Kofi Olomide dans les mariages, les anniversaires, chez vous, vous ne l'écoutez pas dans votre voiture? Non. Parce qu'on voit bien que les gens qui le boycottent ont des cancers, ils dansent toujours Olomide chez eux. Mais justement, c'est pour montrer au monde, au commun du mortel, que nous ne sommes pas contre ces artistes, ces musiciens-là. C'est que nous sommes en train Si vous le boycottez son concert, vous ne devez plus écouter sa musique. Non, écoutez-moi, M. Kassou, s'il vous plaît. Oui. Lorsque nous sommes en train de faire de ces boycotts-là, parce que nous savons que lorsque Kofi Olomide vient faire son concert ici, il y a une machine médiatique qui est mise en marche pour faire vendre ces projets-là. Donc, si nous nous incrustons dans cette machine-là et que nous faisons passer les messages du génocide actuel au Congo, le monde entier va écouter nos revendications pour la simple raison que nous n'avons pas l'occasion tous les jours de passer sur TV5, sur RFI, sur CNN et parler de ce qui se passe au Congo, parce que la communauté internationale ne veut pas qu'on en parle. Maintenant, lorsque nous empêchons Kofi Olomide et qu'il y a débordement sur Paris, tout le monde parle et tout le monde va savoir pourquoi, va vouloir savoir pourquoi il y a eu ces débordements. D'accord, c'est une stratégie alors. Monsieur, c'est une stratégie. Excusez-moi de vous interrompre parce que les autres aussi vont parler. Monsieur. Je vais conclure, s'il vous plaît. Allez-y. Je vais faire la suite. C'est une stratégie du combat que nos frères qui ne sont pas d'accord avec nous, que nous respectons leur opinion, doivent apprendre, je voulais dire, à vivre avec, parce que ça va aller crescendo et nous allons faire pire que ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vu, leur imagination, ce qu'ils ont dans leur tête, ils vont voir pire que ça, jusqu'à ce que l'oreille la plus sourde du monde entendra la voix des meurtres, des morts, des âmes congolaises qui réclament la justice et la réparation et surtout la reconnaissance du génocide actuel des Bantous au Congo. Merci beaucoup. Alors là, vous nous faites peur et puis vous nous laissez sur la fin parce que vous avez quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Alors, M. Mawel, quand vous écoutez M. Zorobabel, il a vraiment tout expliqué, stratégie pour attirer l'attention. Ce n'est pas une volonté manifeste, mais c'est une stratégie pour pouvoir attirer la lumière sur leur combat, sur leur problème du Congo. Mais bien sûr, je suis complètement d'accord avec eux. C'est une stratégie très intelligente. Il a raison de dire que ce n'est pas tous les jours qu'on nous voit sur les télévisions européennes. Ce n'est pas tous les jours. Mais quand il y a une manifestation, enfin on parle de nous. Quand il y a une manifestation contre un musicien, on parle encore plus de nous. Voilà, je dis que je suis parfaitement d'accord avec cette stratégie qui fonctionne, car voyez-vous, sur la 2, sur la 3, rarement sur la première chaîne, mais sur la 2, sur la 3, quand il y a une telle manifestation, on en parle. Moi, je me rappelle de la dernière manifestation, j'étais du côté de Bercy pour autre chose, mais c'était dans le même quartier. Eh ben, ce jour-là, on a parlé, ce jour-là, on a expliqué qu'est-ce qui se passait. Oui. Ce jour-là, les Français ont pu savoir qu'il y avait des choses qui se passaient quelque part en Afrique et qu'il y avait des manifestations consécutives à ces choses. Et là, je m'inscris complètement dans cette ligne. Je m'inscris complètement dans cette stratégie. Je ne sais pas si je peux... Bon, allez-y, monsieur Aziz Marseille. Monsieur Mao, vous avez fini? Moi, j'ai fini. D'accord, monsieur Aziz, allez-y. Si vous voulez répondre tout de suite, allez-y. Bon, moi, finalement, quand j'ai compris, c'est que monsieur le RDC a dit. Oui. Vous savez, on peut avoir raison sans être dans la raison. C'est-à-dire, on peut comprendre ce qu'il dit, c'est une stratégie, tout et tout. Mais, monsieur Ebelbe, quand vous posez le sujet, si vous nous dites, comment vous expliquez l'insécurité, la mauvaise gestion en Afrique sur son implication en Europe, le sujet aurait pris une autre forme. Quand il est circoncis de l'interdiction des musiciens africains qui jouent en France, est-ce que ça se comprend? Le sujet aussi a un autre sens. Le point chez moi, c'est que je suis très méthodique. Et c'est cette manière d'être méthodique qui me met en porte-à-faux avec les autres. Je ne m'éparpille pas. Je prends un exemple. Quelqu'un vient chez toi, oui. Il a volé ton bien, il est parti. Tu le cherches, tu le trouves, tu le tues. Tu as raison de le tuer, il a pris ton bien.
mais tu n'as pas raison parce que tu ne te fais pas justice. Tu m'entends parler ? Tout à fait. C'est ça, être méticuleux. Tu n'as pas raison parce que la loi t'interdit de te faire justice. Il est prévu un canal par lequel tu passes pour revendiquer ton bien. Et pourtant, on t'a tapé, tu es parti taper, mais le fait que tu es parti taper, si tu n'as pas fait sur ce qu'on appelle, l'auto-défense ou la légitime défense, tu as laissé passer le temps, on t'attend pas à 8 heures, tu vas à la légitime défense demain. C'est pas possible. Tu vas faire la légitime défense, mais pourtant tu as raison, on t'a tapé, tu es parti taper aussi. Tu as tort parce que la loi te recadre pas comme ça. Excusez-moi de vous couper. Vous me permettez de répondre parce que vous avez asséné 3-4 questions en même temps. Et non, je ne suis pas en train de vous poser des questions. Je suis en train de circonscrire mon raisonnement. Ok, allez-y, je voulais. De mon raisonnement. On vous prend, je vous prends par la question. Voilà, je me pose ces questions pour aller à un débat. Tu vois, avant d'aller à un débat, autant d'étudiants que j'étais, je me pose la question. Le sujet a dit quoi? Quels sont les éléments, les arguments que je vais aligner, que le professeur comprenne que je suis dans le sujet, non hors sujet. Si nous parlons de la crise en RDC, des hommes qui sont morts ailleurs, on peut dire demain matin, je vous donnerai raison. Mais si nous parlons des musiciens qui viennent jouer en France et l'acte posé par les combattants, est-ce qu'il s'explique? Je dis non. Parce que là aussi, vous avez raison de le faire, mais du point de vue de la loi, il n'est pas autorisé. Moi, c'est ce que je te dis, non? Quelqu'un te tape. Après, tu vas également le taper, et pourtant tu as raison, mais tu n'as pas tort parce que ça ne se passe pas comme ça. Je suis méticuleux, c'est de comprendre que je ne m'éparpille pas. Si vous voulez parler de la gestion, j'en arrive. Écoute-moi. Quand j'ai suivi la dernière manifestation où les gens t'étaient tapés, tu as bien dit, excuse-moi, tu tutoyais, c'est même convivial, le vous, ça ne me plaît pas. Tu as dit, si c'est débordant, tant pis pour ceux qui sont payés, ceux qui n'ont pas géré la manifestation. La loi de la France te dit que celui qui manifeste, qui crée la manifestation, s'il y a débordement, il n'est pas responsable. La loi de mon pays dit, si vous organisez un meeting et qu'il y a débordement, c'est vous qui répondez, ce n'est pas la police. Si en France, la loi dit, c'est le policier qui n'a pas su canaliser, mais ça, c'est la loi de la France. Celle de mon pays me dit, si j'organise une manifestation, il y a débordement. Le musicien a perdu ou des gens qui sont venus payer le billet pour aller à un concert. Ils sont interdits d'aller. Cette violence inouïe qui empêche quelqu'un d'aller suivre un concert, il est Vous allez comparer cette violence-là à une femme qui s'est fait violer pendant un midi et soir. Non, je parle de musiciens. Si vous me laissez parler, je ne vous ai pas dit que je parle de ce qui se passe en l'air. Je ne vous parle pas de la crise en RDC. Revenez à pied. Mais lui, il vous dit les causes de leur combat, monsieur de Marseille. Il vous dit les causes de leur combat. Oui, mais si tu m'avais dit, pose-moi la question, quelles sont les causes qui justifient la réaction des gens? Mais si tu me dis, est-ce que le musicien africain. Non, excuse-moi. Je ne suis pas là-bas, nous ne nous comprenons pas. Le sujet de départ, c'est lequel? Eh bien, libéraux, pour ton sujet. Quand tu as des gens méticuleux, comme a dit, tu ne peux pas faire. Parce que le sujet dit, est-ce qu'on a le droit d'empêcher le musicien africain de jouer, pas seulement Zaïrois, de jouer en France? Bon, vous voulez que je vous reprenne comme la rue? Non, le problème, c'est quel lien y a-t-il entre l'interdiction? Donc, moi, en ce moment-là, pourquoi? Excusez-moi. Non, je parle d'empêchement, je parle des boycotts. Non. Oui, mais je dis, lui, le sujet qu'il pose, boycott ou pas boycott, je dis, est-ce que ça s'explique? Quand je donne la réponse, je prends mon opinion, je prends la loi. Toi, tu prends les autres, tu dis, notre stratégie. Est-ce que ta stratégie est aimée par tous les gars de la RDC? Non. Quand ce n'est pas aimé par tout le monde, on appelle ça une opinion. Il y a des gens qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Mais entre vous deux, qui vous départagent? Le sujet de l'étudiant est là. Tu peux dire mon opinion, oui. Mais est-ce que l'opinion de l'autre, c'est la tienne? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'un musicien congolais de Brazzaville, de la RDC, ne peut pas jouer en France? Il y a beaucoup de Congolais qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais entre vous, là, je me suis de quel côté? Tu veux que je te suive de ton côté? Toi, tu penses que ce n'est pas bon? Ou je suis de côté celui qui pense que c'est bon? Entre vous deux, je vous départage comment? Si je suis tribunal. Monsieur Aziz de Marseille, est-ce que vous pensez que la loi doit être respectée à la lettre quand il s'agit de libérer, comme en Afrique du Sud, les gens de l'apartheid? Regarde. Ou quand il a failli faire tomber le mur de Berlin? Bon. Est-ce que ceux qui ont combattu, qui ont combattu le communiste devaient respecter la loi? Bon, mais il y va, regarde. Tu vas demander à un professeur d'université, n'enseigne pas aux enfants que la loi se respecte. En démocratie, le respect de la loi, c'est la première des choses. Vous réclamez, attendez, non, vous réclamez, excuse-moi, vous réclamez des démocrates dans le sang. Or, la démocratie repose sur trois piliers. La règle de droit,
la liberté d'expression et puis le suffrage universel. Tu m'entends parler? Je ne parle pas comme la rue. Qu'est-ce que la démocratie? Il repose sur trois piliers. Oui, non, mais vous répondez pas à ma question. Quand Paris a été occupé par les Allemands, quand la France a été envahie par les Allemands, est-ce que les Français devaient, les résistants français, devaient se conformer à la loi pour libérer la France? Bon, mais non, j'ai dit non, parce que ce n'est pas la même chose. Si on est RDC, il y a des gens qui acceptent que les musiciens viennent, ce n'est pas dit qu'ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ce que les combattants font, tout le monde est d'accord? Je pense que tu es bien aimé. Dis-moi oui. Il n'y a pas de gars de la RDC qui sont à Paris, qui ne sont pas d'accord. Mais comment tu veux les départager? En quoi tu te mets du côté des combattants? Tu ne comprends pas ceux qui ne sont pas du côté des combattants. Non, on doit les comprendre. Je vais me pencher de votre côté. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas d'accord te diront, la gestion de l'État au pays là-bas n'est pas négative parce qu'un musicien a joué. Pourquoi tu dis qu'il a tort? Si Kabila ne gère pas, si Tchéki ne gère pas bien son pays, ce n'est pas à cause du musicien qui joue. Que le musicien joue ou pas, on aura toujours le même marasme. La preuve en est que Mobutu, c'était la même chose. Kabila, la même chose. Kabila fait la même chose. Kabila et Tchéki, la même chose. Ça veut dire quoi? Comme tu l'as dit, ça veut dire que le combat n'est pas celui-là. Vous voulez le même combat qui vient de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'un musicien joue au combattant, joue en France. Si on peut laisser monsieur Aziz de Marseille, ça peut laisser aussi les autres parler. Donc, ça veut dire quoi? En ce moment-là, non, je suis en train de vous résoudre. S'il vous plaît, vous pouvez terminer pour que les autres puissent parler aussi. Oui, je vais terminer. S'il vous plaît. Il faut qu'on vous parle là. Mettez-vous au milieu. Moi, je vais me mettre au milieu. Oui. La tendance qui dit, ce n'est pas parce qu'un musicien joue en France qu'il a chanté un leader que la situation au pays s'empire. Ceux-là n'ont pas tort. Celui qui dit non, il chante les leaders. Il faut qu'on l'empêche de jouer. Ceux-là ont raison, quoi. Dites-moi les deux. Je mets les deux raisonnements. Quoi, les autres ont... D'accord, mais on va vous répondre. Ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Monsieur Samata Koumi, vous êtes en train d'intervenir. Alors donc, pour te dire que je suis au milieu des deux. Elle est seulement au milieu. Je n'ai pas de parti pris. Je D'accord. ne peux pas justifier qu'on refuse de jouer. Pourquoi? Parce que même si on ne joue pas, le pays ira mal. Même si on joue, le pays va mal. Donc la solution n'est pas d'appuyer sur le musicien. Vous D'accord. avez une maladie. S'il vous plaît, M. Aziz, vraiment franchement, s'il vous plaît. Si vous pouviez. Vous allez changer le malade comment? Si vous avez fait un mauvais diagnostic, vous pouvez empêcher à tous les musiciens de jouer. Ça va changer en RDC? Non. Qu'est-ce qui tient les poules là-bas? Si vous pouviez laisser les autres intervenir, ça serait bien, M. Aziz de Marseille. C'est une guerre qui n'a rien à voir avec un musicien. Ça se comprend, non? Merci. Monsieur Samana Koubi. Monsieur Samana Koubi, vous avez la parole. D'accord. Si vous voulez qu'on explique la crise en RDC, vous êtes bien, on parle juste. Oui, M. Samana Koubi, allez-y, s'il vous plaît. Alors, vous allez dire que les Rwandais, c'est confiant en homme idée. Mais alors, voyez-vous que ça ne se comprend pas. Donc, je ne résonne pas comme la rue. Ok, merci. M. Samana Koubi. On est où? Je suis désolé. C'est pas possible. On est où? L'amalgame. M. Samana Koubi, allez-y. Allez-y. Excusez-moi. Oui. On se retrouve où? Est-ce que c'est un débat constructif ou c'est un monologue? C'est un débat constructif. Il faut le redresser. Il y a mal compris. On ne peut pas justifier l'envahissement du Rwanda, de l'aide par le Rwanda à cause des musiciens. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Au moins de pouvoir écouter les autres. Oui, mais je n'ai pas dit qu'on n'écoute pas. Je vous recasse le débat, mes arguments. Je ne vois pas comment l'envahissement l'aide par le Rwanda. D'accord, monsieur Aziz, Marcel, si vous pouvez laisser monsieur Samana Koumi parler, on vous a entendu. Merci beaucoup. Oh, mais vous êtes parti très loin. On vous demande comment. Allez-y me démontrer ça. Non. J'attends monsieur, là. Monsieur Aziz de Marseille. Oui. On n'est pas dans un vous êtes là ici. Non, je ne dis pas ça. Ne diminuez pas les autres. C'est des arguments pour empêcher un musicien de jouer ici. Il faut voir la crise en RDC. D'accord, mais laissez-les tout répondre, monsieur Aziz de Marseille. S'il vous plaît, laissez-les tout répondre. Alors, comment tu peux parler comme quelqu'un qui n'a pas de raisonnement? Puisque tu veux qu'on raisonne, allons-y jusqu'au bout. Monsieur. Explique-moi la crise en RDC. Allons-y, non, lui, le gars de la RDC qui parle, qui explique la crise chez lui. Mais alors. D'accord, monsieur Aziz Marseille, s'il vous plaît, laissez les autres répondre, s'il vous plaît. Merci, on vous a compris. Allez-y, M. Samana Koumi, c'est vous qui avez la parole. Je calcule 21h30, 22h30, 23h30, minuit, 2h30. Au lieu d'intervenir, il est en train de calculer le temps. M. Samana Koumi, s'il vous plaît. Et là, nous sommes où? Là, nous sommes où? C'est pas la peine. Monsieur Samana Koumi, s'il vous plaît. Dans un débat constructif. M. Samana Koumi, allez-y. Vos arguments. Monsieur Aziz s'est déconnecté. Excusez-moi. Ayons la probité. Oui. Nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'hommes sensés, on est au moins dans l'obligation de donner des réponses circoncises et précises. Merci beaucoup. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est du cinéma. On est venu, on écoute le point de vue des uns et des autres. Nous avions trois questions. Juste pour deux questions, on se retrouve. Je préfère, par question d'éthique et d'engagement, de respecter les panélistes qui sont présents. Oui. Et nous disons ceci, la sortie de notre panéliste sur la RDC, c'est une sortie assez constructive. Je vous ai dit, ce sont les moyens de résistance
ne sont pas définis par les opprimés, mais souvent le plus cas, ce sont des réponses que les opprimés donnent à une stratégie de non-écoute des gouvernants. Et tant que le problème n'est pas bien défini, oui, le domaine de définition n'est pas bien défini, on va se retrouver encore aller dans tous les sens. Nous avons voulu comprendre le phénomène du boycott des concerts. Oui. Nous avons eu la grâce et la présence de notre parent de la RDC qui nous a donné, et nous disons ceci, comment voulez-vous dans un pays où les droits, les constitutions ne sont pas respectées par les gouvernants eux-mêmes? Vous voulez que le peuple puisse se soumettre. Apprenons à nous respecter. Et on ne veut pas sur la base des effectifs. Je crois que, à mon humble avis, ce que notre compatriote la RDC a dit, il résume en tout et pour tout. Et c'est un sujet qui reste ouvert. On y reviendra une autre fois. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Gagnon, vous avez écouté, hein, après on parle à monsieur Ntian, vous avez écouté, monsieur Zoro Bilal a expliqué, et puis monsieur Aziz de Marseille a essayé de donner ses arguments. Lui aussi, il reste sur le droit. Est-ce que là, en restant dans le cadre du droit, on voit très bien que les champs des résistants sont limités. Et est-ce que toute forme de résistance doit s'appuyer sur le droit et sur une logique judiciaire? Est-ce que les États n'ont pas le droit de dire que le droit prime sur l'action des hommes? Oui, mais je vais d'abord vous dire une chose. Hein. Le droit, c'est une règle qui est établie en fonction des faits, pour essayer de régulariser les faits. Moi, je me trompe. Donc, lorsque un fait se répète, on finit par mettre en place une loi. Il faut que le fait ait d'abord lieu avant de mettre une loi. Donc, les gens manifestent, ceux qui manifestent. S'il n'y avait pas des gens qui manifestaient, on n'aurait pas donné le droit aux gens de manifester. Le droit de manifester, il fallait qu'il y ait d'abord, les gens qui manifestent dans la rue. Et puis, pour canaliser cet événement, on a mis en place une loi. Mais ce qui est vrai, c'est que dans toute manifestation, il y a toujours des débordements. Donc, à partir du moment, comme disait M. Zoro, il dit, nous, quand nous manifestons, nous demandons l'autorisation à la préfecture. Et la préfecture accorde, parce que c'est un droit, le droit de manifester. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un droit qu'il n'y aura pas de débordements. Même au niveau de la police, partout, il y a eu des débordements. On a vu la police n'a pas le droit de tuer, mais pourtant la police tue. Mais en ce moment-là, le droit consiste à le punir. Mais on ne punit pas ceux qui ont manifesté, on punit ceux qui n'ont pas respecté le droit de manifester, qui sont allés casser les maisons, brûler les voitures. Il faut qu'on arrive à faire cette différence-là. Donc pour moi, je crois que le droit de manifester, il existe, comme aussi le droit de punir. Mais vous savez que toute liberté s'obtient, ne s'obtient pas comme ça, comme un cadeau. Aujourd'hui, on voit en France ici, la CMU, les Africains, bien sûr, on bénéficie des aides sociales, de ceci, de cela. Mais ça a été obtenu par la force. Mais il n'y avait pas de droit. Mais les gens ont manifesté, ils ont combattu, et puis voilà. Et puis après, on a établi la loi. Et maintenant, on peut bénéficier de ceci, de cela. Mais si tout le monde s'appuie, on dit, bon, voilà, on ne peut pas faire ça parce que le droit ne l'autorise pas. Et le droit ne pourra rien vous autoriser. Donc, pour moi, je dis tout simplement que le droit de manifester existe et il faut le faire. Et pour moi, tous ceux qui font l'apologie des crimes méritent sanction. Aujourd'hui, vous avez les gens qui manifestent, comme le frère de la RDC l'a dit, ce n'est pas de la culture que fait Kofi Olomide lorsqu'il chante, lorsque dans ses chansons. Mais moi, j'aurais été président de la République. Ce sont des chansons que j'interdirais sur mon territoire. Parce qu'aussi, on peut trouver qu'il n'a pas le droit de chanter comme ça, parce qu'il pousse les gens vers quoi? Vers quoi? Vers la sexualité, vers quoi? Vers... La débauche, oui, tout ça là, c'est quand même dangereux de laisser un homme comme ça venir chez vous. Par exemple, moi je suis assis avec mes enfants et puis vous allez me faire passer ces chansons là ou bien ils passent devant la télé et moi je suis assis avec mes enfants qui écoutent ces chansons là mais non, chers compatriotes, on ne peut pas laisser des gens comme ça cette liberté, parce qu'on dit toujours ta liberté commence là où s'arrête la mienne. Mais alors, sa liberté s'arrête où? Parce que c'est un monsieur Kofi Olomide qui peut se prendre. Ce n'est pas de la culture ce qu'ils font. Ce n'est pas de la culture. Et en même temps, regardez bien ces musiciens-là. Quand ils vont chanter auprès des présidents ou chanter des présidents, c'est pour de l'argent. Ce n'est pas de la culture qu'ils sont en train de faire. C'est de l'argent quand ils chantent Sassou Nguesso, machin, machin.
mais c'est pour de l'argent. Faut-il le laisser faire? J'ai dit non, j'ai dit non. Et pour moi, les combattants, ceux qui empêchent, ceux qui manifestent, lorsque ces gens-là viennent chanter ici, ont pleinement raison, parce que, un, ils ont le droit de manifester, deux, que ces gens-là ne font pas de la culture, ils viennent faire l'apologie de la débauche, ils viennent faire tout. Il n'y a rien de culturel dans ces chansons-là, vous voyez, même la danse. Mais il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi nos musiciens, bon, ils viennent en France, bien sûr, parce que, vous savez, la France est le deuxième pays africain. Vous voyez le nombre de Congolais, ou quand je dis Congolais, des deux pays, ou le nombre de Gabonais ou des Ivoiriens qui sont ici, on n'en compterait pas autant en Angleterre ou ailleurs. Donc, ils viennent ici, et Koffi Olomide a même la nationalité française, mais on ne va pas lui autoriser à faire ça, il le fait là-bas chez lui. Mais écoutez bien la musique française. Vous allez entendre ces termes-là. Écoutez bien la musique de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez entendre ces termes-là. Mais il faut qu'on éduque les gens. Et comment les éduquer? On va mettre une loi pour éduquer quelqu'un? Mais non. D'accord. Donc moi, voilà mon point de vue. Pour moi, ces gens-là, ils ne méritaient pas. Et moi, s'il y a manifestation, si j'étais là, j'irais manifester parce que c'est un droit. On a vu les gilets jaunes. Regarde l'effet positif des gilets jaunes. Quand les gilets jaunes ont manifesté, pourtant, le fait que l'État avait pris la loi de poser des radars partout, les gilets jaunes ont dit non, mais c'est pour de l'argent, c'est des boîtes à fric, qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé ces trucs-là, on a tout enlevé. Mais aujourd'hui, l'État a pris d'autres dispositions, mais pourtant, c'est bien la loi. Mais la loi, quand elle ne veut pas, on enfreint la loi, c'est tout. Elle a été mise en place par des hommes, et c'est aux hommes de les rectifier, c'est pour ça qu'on modifie les lois. D'accord. On a compris votre parole, voilà. Monsieur Gaïno. Je vais passer la parole à Monsieur Ndian qui a écouté sagement pendant longtemps. Monsieur Ndian, pour vous, la résistance, le droit sont incompatibles? La résistance et le droit ne sont pas incompatibles. Vous avez besoin de vous rappeler l'importance de la règle de droit dans l'organisation d'une société humaine. Je me permets de vous rappeler ce que vous savez, que la règle de droit a plusieurs rôles. La règle de droit définit, la règle de droit sanctionne, la règle de droit protège. La règle de droit aussi est un facteur d'ordre social. Autant je suis d'accord avec monsieur Zorro Bilel, mon frère de la RDC, Zorro Bilel. Monsieur Zorro Bilel. Bilel Ingeta, mais faut être caractérisé par une cécité intellectuelle, une cécité politique pour ne pas voir, pour ne pas croire, pour ne pas être sensible à ce qui se passe en RDC, particulièrement à l'est de la RDC. Et nous le savons tous depuis aujourd'hui, bientôt 20 ans. 40 ans, il a dit. Faut être un inhumain pour ne pas être sensible à ce qui se passe là-bas. Les viols et tout ce qui... Mais c'est un problème qui relève de la gestion de la cité. Et je ne pense pas que la violence puisse régler cette affaire-là. Bon, maintenant... Moi, je dis ceci. Autant je suis sensible, autant je pense que les revendications qui sont les revendications des combattants sont des revendications légitimes, autant je ne suis pas d'accord sur la forme de la réponse qu'ils donnent. Moi, personnellement, j'aurais voulu, pour boycotter, j'utilise le qualificatif, le terme utilisé par M. Zorro Bilel, moi, personnellement, s'il fallait boycotter Koffi Olomide, boycotter Papa Wemba, boycotter les Roy Rasson, tout ce monde-là, eh bien, on peut les boycotter autrement. On peut les boycotter en ne pas achetant... En n'achetant pas leur disque, leur CD, leur production musicale. Pas, ouais. Oui, on fait de la pub pour dire que non, tout ça, ma musique, on a été parce que musique anglaise m'a baie. Je suis d'accord avec M. Zorro, je suis d'accord avec M. Gaël, parce que ça, ce n'est pas de la culture. Je me rappelle même quand il fut. Je sais qu'il fut une période où, en République démocratique du Congo, même au temps de Mobutu, d'ailleurs, il fut une période où on sanctionnait pur et simplement certaines chansons qui étaient, je dirais, obscènes. Bien sûr. Parce que les chansons obscènes, il faut les sanctionner. Les danses obscènes, où on voit les femmes ne font que secouer les hanches, les fesses, ils sont à demi nus, à demi vêtus, tout ça là, c'est pas Zorro. Parce que la musique, c'est pas ça. La musique, c'est une culture. La musique, c'est un art de combiner les sons. Donc, on peut pas faire l'apologie de la musique de Koffi Olomide, l'apologie de la musique de Werrason en utilisant cette terminologie-là. Je suis d'accord. Autant je suis d'accord que le droit de manifestation, c'est constitutionnel dans tous les pays, hein. Que ce soit en RDC, au Congo-Brazzaville ou en France ici, les gens ont le droit de manifester. Mais seulement, quand vous manifestez, il faut que ça soit dans les règles de l'art. C'est-à-dire vous éviter qu'il y ait de la violence. Parce que dès lors qu'il y a de la violence, il y a
violation de la loi, et à ce moment-là, voilà. Mais non, par ailleurs, je me dis qu'il y a une incompréhension dans le discours de M. Azil Dominique de Marseille avec M. Zorro. Il n'y a pas une... C'est-à-dire que le problème posé par Azil, c'était un problème de respect de la loi. Il ne dit pas qu'on ne doit pas manifester. Non, on peut manifester. Mais soyons sérieux. Est-ce que depuis 40 ans, comme le dit Zorro, moi je pensais une vingtaine d'années, je pensais que ça a commencé vers 2003-2004. Il parle d'une quarantaine d'années quand même. 40 ans peut-être. Voilà, s'il dit que les combattants ont commencé depuis 40 ans. Bon, ça, non, il ne dit pas les 40 ans, il dit la souffrance du peuple. Ah, les exactions. Oui. Ah oui, mais les exactions, bon, elles sont en RDC comme partout, ça fait longtemps effectivement. Donc je me dis que, allons-y pour 40 ans. Si les exactions ont perduré depuis 40 ans, et que depuis 40 ans, ils font ce qu'ils font là, aujourd'hui, nous voyons que ce n'est pas la solution qu'il faut apporter à ces problèmes qui se trouvent en RDC, à ces problèmes qui se trouvent au niveau de l'Est de la RDC. Moi, je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule, il faut changer de technique, il faut changer de méthode. D'accord, monsieur. Donc, pour changer de méthode, moi, je ne pense pas qu'il faut répondre à la violence par la violence. Oui, il y a des gens qui sont partisans de la violence, hein, c'est leur point de vue. Moi, personnellement, je ne suis pas partisan de la violence. Autant je suis d'accord qu'il faut combattre Koffi-Olomidé, combattre leurs idées, combattre cette sale musique qui est en train de nous véhiculer, mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser pour pouvoir boycotter les œuvres musicales de Koffi-Olomidé. D'accord. Écoutez, messieurs, on va arriver quand même à la fin de notre émission. On va remercier notre invité qui a été très poli et très gentil de nous expliquer ce que beaucoup n'avaient peut-être pas compris au départ et peut-être qu'ils se seront fait une idée de exactement ce que c'est que le boycott des concerts. En tout cas, monsieur Zorro Bilel, je vais vous donner à tout le monde et aux autres l'occasion de pouvoir conclure. Moi, je vous pose une question, monsieur Zorro Bilel. Vous êtes engagé sur un combat de longue durée. Monsieur Caius, oui. J'aurais voulu que vous puissiez proposer à monsieur Zorro Bilel un autre débat, mais cette fois-ci, c'est pas en posant votre problématique là, non. C'est-à-dire que je pense qu'il est d'accord, il conviendra avec moi. La seule lutte de boycott qu'ils sont en train de faire sur la ville de Paris, qu'ils sont en train de faire dans l'Europe, qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est-à-dire empêcher, boycotter ces musiciens-là, il est, je pense que dans son fort intérieur, il est d'accord avec moi que cette seule lutte-là ne va pas entraîner la libération, ne va pas entraîner la fin des exactions, la fin de l'occupation du Rwanda, de l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a d'autres solutions politiques aussi, d'autres solutions économiques, d'autres solutions sociales, etc. etc. Vous proposez-lui une émission où nous allons analyser non seulement les exactions qui se passent dans l'Europe, dans la RDC à l'Est, mais des propositions de solutions. Moi, j'en ai, il en a, on peut discuter là-dessus. On aura l'occasion de débattre sur d'autres sujets. Je pense que l'Afrique a plein de sujets et l'actualité est très riche. On aura l'occasion, M. Ndjan, merci pour votre proposition. Moi, je vais essayer de... Je pense que M. Mawel, vous n'avez pas intervenu, M. Mawel. Si, vous avez intervenu aussi au départ sur ce sujet. Ben, écoutez, j'ai intervenu au départ. D'accord. J'ai eu l'occasion de noter le caractère obtus de la pensée de M. Azil Dominique. Bon, il est parti, il ne peut pas vous répondre. Hein. Il est parti, malheureusement, il est parti. Ah, il est parti. Ben, oui, il est parti, donc il ne peut pas vous répondre. Ben, je vais vous demander, chacun d'entre vous, de conclure, parce qu'on a dépassé les 2h15, et je sais que c'est très, 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 comment dire. Ben, vous savez, les hommes, en général, on se frotte, et heureusement qu'on n'était pas dans un studio tous ensemble, sinon je pense qu'on aurait eu affaire à la loi nous aussi. Bon, l'avantage c'est que nous sommes des hommes et des adultes et qu'on peut retomber sur terre et puis remettre ça de manière professionnelle. Alors je vous demanderai de conclure hein, sur l'ensemble des sujets et surtout de remercier M. Zorro Bilel qui lui a bien voulu patiemment nous écouter et dans le calme prendre la parole. Je vais essayer de commencer par lui parce qu'il est notre invité. M. Zorro Bilel, je vous donne 2 minutes pour conclure et nous dire si vous avez quelque chose à ajouter que nous ne savons pas, quelque chose que vous auriez aimé dont on ne puisse parler ou plutôt éclairer les autres, auditeurs et éditrices. Merci beaucoup, M. Cassius. En tout cas, je tiens déjà à remercier tous les invités sur le plateau. Merci. Et vos auditeurs qui ont été attentifs à ce que nous sommes en train de dire, je pense qu'ils ont au minimum compris ce qu'était notre démarche. Mais ce que moi je voulais marteler tout le monde, lorsque nous sommes en train de manifester contre ces quelques musiciens boycotter leurs concerts,
Oui. Ils vont inscrire cela dans les cadres d'action politique. Parce que la solution de la situation, disons du problème au pays, ne peut venir que par ces décideurs politiques-là. Et lorsque nous parlons de ces musiciens-là, je peux vous confirmer que toutes les informations que nous avons, tous ces musiciens qui ont joué ici en Europe n'ont pas réellement des producteurs européens ou occidentaux, s'il faut le dire comme ça. Ce sont des prêts non qu'ils utilisent, mais qui sont financés par les gouvernements au Congo. Parce que d'après eux, pour faire tomber ces combats-là, il faut qu'il y ait des conserves. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, nous n'empêchons pas la musique congolaise de s'exprimer en Europe. Nous boycottons quelques artistes et musiciens qui sont bien connus par tout le monde et nous devons inscrire cela, pas dans l'ordre culturel, mais plutôt dans l'ordre politique. Et lorsque nous rentrons dans l'ordre politique, nous devons comprendre qu'au Congo, aujourd'hui, c'est plus de 12 millions de morts depuis 1996 et assez que ces exactions-là puissent avoir lieu. Mais je pense que tout humain qui est bien bâti dans sa tête, qui est calibré cérébralement, prendra ses responsabilités pour faire que ces atrocités-là ne puissent plus avoir lieu. Il s'agit des atrocités imprescriptibles. Je dois préciser que les bassins du Congo, à l'occurrence l'État indépendant du Congo, la RDC, a connu deux génocides en deux siècles. Entre 1885 et 1908, avec Léopold II, qui a coûté avec la vie de plus de 15 millions de Congolais. Depuis 1986 à aujourd'hui, 12 millions de Congolais ont déjà péri. Maintenant, humainement parlant, nous allons rester comme ça, respecter les droits, un droit qui est utilisé en sens unique par quelques individus, alors que la majorité de la population est en train de subir les atrocités, est en train de mourir, de périr, de souffrir comme on ne peut l'imaginer. Même dans les pires cauchemars du diable, on ne peut pas imaginer ce qui se passe au Congo. C'est à chacun de nous, en face de sa conscience, de se dire que nous devons lever la voix et porter la voix le plus haut possible de manière à ce que le monde puisse comprendre ce qui se passe au Congo et ceux qui sont les soutiens de ceux qui veulent qu'on tue au Congo puissent revenir en arrière, sinon au peuple de ces pays occidentaux qui sont derrière ces choses-là puissent prendre leurs responsabilités afin de venir assister le peuple congolais qui veut qu'il y ait la paix, qui veut que le bien-être collectif du Congolais, des Africains, de la région, même du Grand Lac, puisse vivre en paix entre nous. Au-dessus de tout, nous sommes tous Africains et particulièrement des Noirs. Et ces problèmes-là, c'est un problème entre des clans, des tribus, des ethnies, des tribus qui ont été séparées en 1885 où aucun de nos ancêtres était présent pour décider de la suite des événements. Donc chacun doit prendre vraiment sa conscience, mettre en face, réaliser si son comportement, son attitude est bénéfique pour la survie de nos enfants, de notre postérité, ou alors ces comportements-là permettent à ce que l'inanition de nos nations puisse avoir lieu. Merci de m'avoir invité. En tout cas, moi, je reste à votre disposition. À l'occasion, n'hésitez pas à m'interpeller. Je serai là pour répondre à toutes les questions. Merci à tous les invités et à tous les auditeurs qui ont été en ligne avec nous pour partager et écouter ce que nous avions à dire. Merci beaucoup, Ingeta. Merci beaucoup, M. Zorobibel. En tout cas, comme on dit en français, bon vent. Alors, M. Gaïno, et puis M. Aujourd'hui, ce sera M. Mawel qui conclura. Hein. M. Gaïno, votre conclusion. Oui, merci bien. Franchement, je dirais que bon, le débat aurait pu être plus intéressant que ça. Malheureusement, nous connaissons un peu l'état d'esprit de nos frères. Je crois que les problèmes africains doit être résolu par les Africains, mais nous ne devons pas non plus aussi laisser ceux qui sont là comme ça, les mains libres, venir faire tout ce qu'ils veulent. Les manifestations, c'est une forme de combat, forme de combat que l'on mène, surtout quand on est dans un pays où cela est autorisé. Et moi, j'encourage les gens qui ne doivent pas baisser les bras devant un problème, parce que si vous avez le feu qui brûle dans votre devant votre village, il faut l'éteindre. Il ne faut pas attendre qu'on vous dise le droit. Non, vous avez le droit de l'éteindre ou vous n'avez pas le droit de l'éteindre. Il faut d'abord l'éteindre. Après, on verra le plan de droit. Malheureusement, dans toute manifestation, il y a toujours des débordements. Et c'est pour ça aussi que la loi, comme disait le frère Dion, la loi cadre tout. On vous autorise, mais il y a des limites. Malheureusement, quand on dépasse ces limites-là, on est sanctionné. Mais il faut le faire quand même. Si on peut le faire dans les limites, tant mieux. Mais si malheureusement, on ne peut pas dire qu'on le fera toujours dans les limites. Mais il y en a qui le font dans les limites et il faut le manifester. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays demande une mobilisation intense de tous citoyens, une prise de conscience, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un continent aussi riche que celui-là puisse être le plus pauvre.
regarde ce qui se passe au niveau de l'écologie. Quand on voit ces chefs d'État qui laissent les populations débroussailler nos forêts, détruire nos forêts parce qu'on prend le charbon, on va vendre parce qu'on est incapable de mettre les moyens modernes à la production des feux. Et quand les Occidentaux les appellent, ils viennent comme des chiens affamés. Tout simplement dans l'intérêt d'avoir de l'aide. On est là toujours en train de tendre la main à ceux qui peuvent nous aider. Non, ce n'est pas digne. Je crois que la jeunesse africaine doit prendre conscience que ce n'est pas digne. Celui qui t'a déjà exploité, celui qui t'a déjà colonisé, ne peut que te coloniser davantage. Il ne t'aidera jamais. Voilà, pour moi, le maître mot, c'est que nous devons prendre conscience que c'est à nous de défendre notre continent. Merci beaucoup. Monsieur Ndiom, c'est à vous. Après, monsieur Sama Jankoumbi et monsieur Marwell pourra conclure. J'aimerais rassurer... Monsieur Zoro Bilel, j'aimerais rassurer tous nos panélistes, rassurer tous nos auditeurs et nos auditrices que je suis parfaitement à 100% contre des productions musicales qui dénaturent, qui dévalorisent la culture musicale congolaise, notamment la culture musicale africaine. Parce que c'est ignorer pratiquement le rôle de la musique dans nos sociétés africaines. Et que ce soit Kofi Olomide, que ce soit Monsieur Kofi Olomide, Monsieur Werrason, Monsieur, avec ce type de musique où il n'y a que des insanités, où il n'y a que la partie mercantile qui est finalement visible, et toujours voilà. des cris, il n'y a pas le message en tant que tel. Ils oublient les principaux rôles de la musique. La musique est un outil d'éducation et nous le savons très bien. Je rappelle seulement deux petites chansons. C'était une chanson qui vous donnait les bases de l'éducation. Si je prends la deuxième chanson, ça c'est des chansons. Lorsque vous écoutez ça avec papa, avec maman, avec les en famille, il y a une éducation, il y a un message qui passe. La musique est un outil de communication de masse des citoyens. Lorsque c'est utilisé à bon escient, ça propage une certaine culture. La musique, hélas, c'est aussi un outil politique hein, qui est au service des élus. Voilà pourquoi certains élus, comme l'a dit M. Zoro, bien, finance quelques stars, quelques vedettes pour venir chanter pour eux. Notamment, on a vu bah, les exemples qu'il a donnés, que c'est pas possible qu'un seul une seule star, une seule vedette comme M. Kofi Olomide, il chante Kofi il chante Kabila, il chante Mobutu, il va chanter Yadema, il va chanter Ali Bongo. Mais ce qu'il oublie, c'est que normalement, la musique a des lettres de noblesse. Hein. La musique est un outil de transmission des valeurs d'une société. La musique est un instrument d'identification d'un peuple. C'est une identité culturelle. La musique est un instrument de paix des cœurs et de la tranquillité des esprits et des âmes. La musique, comme nous le savons tous, adoucit les mœurs. Donc, au regard de tout ça, on peut se rendre compte que nous, par rapport à notre oralité africaine, l'Afrique ayant beaucoup plus étant une civilisation orale, eh bien, la musique est un instrument de transmission des valeurs traditionnelles de l'Afrique. Et, pour terminer, on peut simplement dire, hein, regardez quand on mange, ou avant de dormir, mais quand on est, bien, la musique, rend heureux les gens. La musique traduit le bonheur des gens. C'est un véritable facteur de joie et de bonheur, parce qu'il n'y a aucune fête en Afrique qui peut se passer sans musique. Ça n'existe pas. Donc, la musique est un véritable facteur d'ordre social. C'est même un thermomètre social. C'est un facteur d'unité sociale, d'unité nationale, de fierté nationale. Or, ce que Kofi Olomide, c'est là où que je vais chuter, ce que fait Kofi Olomide, là, pour ne prendre que lui, mais c'est la même chose avec tous ses amis, là. Leur musique ne reflète plus, ne symbolise plus la fierté de l'Afrique, la fierté de notre culture. C'est là que je rejoins les combattants en disant que oui, leur combat est noble. Mais je persiste et je signe, je dis que la violence contre la violence ne produira que de la violence. Moi, je pense qu'il y a des solutions politiques à ce problème-là. Les solutions politiques existent et je sollicite un autre débat avec M. Zoro. Et nous, ça sera Zoro Bilel, monsieur Zoro Bilel. Excusez-moi. Je sollicite donc une autre émission avec monsieur Zoro Bilel Ingeta sur le plan strictement politique des différentes solutions à apporter sur ce problème-là. Merci.
Merci beaucoup. Monsieur Nsamba Djangombi. Autant pour moi. Merci. Monsieur Mawen, la parole, la conclusion vous revient aujourd'hui. Oui. Voyez-vous, nous avons passé beaucoup de temps effectivement sur cette question des combattants qui empêchent les musiciens de jouer sur le territoire, sur un certain nombre de territoires. Toute l'Europe. Je répète encore que je suis complètement d'accord avec eux. Monsieur Zorro Bilel Ingeta, je dirais Ingeta. On a le devoir de résister. Vous ne voudrez tout de même pas que les gens résistent en se retrouvant tous dans l'Est à recevoir des balles. Non, il existe plusieurs formes de lutte. Eux, ils ont choisi celle-là et elle est bonne, leur lutte. Elle est juste, leur lutte. Il faut la soutenir, leur lutte. Nous aurions pu parler d'autres choses encore. Malheureusement, ce débat nous a pris plus de temps que ce que nous avions prévu. Mais je suis très content parce que aujourd'hui, nous avons pu dire des choses. Nous n'avons pas abordé la liberté de la presse en Afrique centrale, mais je ne sais pas si nous avions réellement le bon interlocuteur. On pourra toujours l'appeler monsieur Aziz Dominique de Marseille pour venir débattre avec nous de liberté de la presse en Afrique centrale. C'est un journaliste, donc c'est normal. Il est sachant dans ce domaine. Il devrait être un sachant, mais ses prises de position d'aujourd'hui me font peur. Je ne sais pas de quelle façon il prendrait cette chose. Parce que ce qu'il a fait, d'ailleurs, rappelez-vous, hein, dans le début de nos débats, j'avais toujours une accusation, mais je l'applique aujourd'hui à notre ami Aziz Dominique de Marseille, c'est-à-dire ce stalinisme qui consiste à changer le titre du sujet pour le mettre dans le sens que l'on voudrait soit, et non pas dans le sens où il était au début. Si la question au départ était du pourquoi, ce à quoi M. Bilel Ingeta a répondu, et nous tous, je crois que c'est ça, monsieur Aziz a cherché à dévier cette question pour répondre à tout à fait autre chose. Et il a cherché à nous éloigner du sujet, et il a répondu en étant complètement hors jeu, hors sujet. Mais qu'importe, cela est de bonne guerre. Il faut accepter que des gens s'opposent à vos idées. Il faut accepter que des gens pensent autre chose. Cela permet de révéler peut-être aussi certaines manières de voir les choses, certaines manières de dire les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu cette possibilité de dire les choses plus profondément, de dire les choses autrement. Et nos auditeurs ont certainement eu la joie de comprendre ce que nous pensions les uns et les autres de ces braves combattants, de ces courageux citoyens qui ne veulent pas que l'on transforme ce qui devait être la culture en quelque chose de très bas, qui ne veulent pas que ceux-là même qui nous méprisent soient portés en triomphe. Et donc, je dis que nous avons passé très bonne journée. Je dis que j'aurais souhaité que nos auditeurs aient la possibilité de répondre, de nous dire des choses, afin d'intervenir, que l'on puisse aller encore un peu plus en profondeur de questions comme celle-là. Car c'est une véritable question de démocratie qui a été posée aujourd'hui et nous avons essayé d'y répondre. Eh ben, je veux dire au revoir à Bakami Radio, au revoir chers panélistes, hein, et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas merci beaucoup pour... Merci à vous tous, merci M. Mawel, M. Sama Djankoumbi, M. Ngaino et M. Dion, merci spécial à M. Zorobabel qui a vraiment répondu à la dernière minute à notre appel. Nous avons vraiment contacté au dernier moment, mais il a bien voulu participer. Nous sommes un peu tristes que M. Aziz Dominique Marseille soit parti parce qu'il était celui qui avait initié aussi le débat. Mais j'espère qu'il pourra se ressaisir. Les occasions ne manqueront pas, nous l'aurons et nous reviendrons vers lui parce que nous savons que c'est un professionnel de la presse et que la presse, eh ben, c'est un pouvoir, et ce pouvoir-là, nous devons l'utiliser pour le bien de nos populations et pour notre bien à nous tous. À très bientôt, messieurs, passez un bon week-end, à samedi prochain. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.